Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à Tout sur Tout. Cette semaine, on rencontre Mme Sarah Veyrault et M. Danny Veilleux. C'est ça? Je ne me trompe pas. Ben non, c'est ça, exactement. Bon. Bonjour, Monsieur Chang. Bonjour, bonjour. Cette semaine, vous allez nous parler de services budgétaires. Ouais. Oui, C'est ça? on ouais, parle. ouais, oui, 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 c'est. oui, 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 parce que c'est bien, parce que plusieurs appellent le service budgétaire communautaire d'investissement Maria Chapdelaine, ou encore pire, OK, allez-y. service budgétaire populaire Mais dynamique. ça, c'était bien avant, ça. Ben avant. Mais c'est resté, ben, il y a Ben, du ça monde. reste, oui, ça, même sur Internet, quand on tape un peu notre nom, des fois, on voit apparaître service budgétaire populaire dynamique. OK. Mais moi, ça fait près de 14 ans que je suis là. Ça Mais fait plus longtemps que ça, c'est communautaire. Mais à l'automne dernier, on a enlevé le mot communautaire pour service budgétaire Maria Chapdelaine. question, pourquoi vous avez enlevé le mot communautaire? C'était trop long? Long à dire, comme OK. quand on se présente. Puis également, communautaire, des fois, peut être un peu péjoratif, s'adresser plus aux démunis, Ah, OK, s'adresser. c'est pour ça. Puis c'est un service qui s'adresse à l'ensemble de la population. Puis on ne dira jamais à l'ensemble de la population, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux. Nos services s'adressent à Ben l'ensemble de la justement, on population. commence à toucher un petit peu. Oui. Vous m'avez ouvert la porte, là. C'est en général, vous m'avez dit, c'est ça? Oui, la population en général. OK. L'ensemble de la population, oui. OK. Puis, vos services, c'est quoi, Nos services. hein? En gros, là. En gros, le premier service, le majeur, on va parler de consultation budgétaire. Ça consiste en quoi? Une rencontre individuelle. L'ensemble de nos services sont gratuits, sauf un qu'on va revenir plus OK. tard. Donc, les gens viennent nous voir, on regarde leur budget, on regarde. Autrement dit, c'est pour les aider dans le budget. Oui, à regarder s'il y a trop d'endettement, s'il y a une solution à l'endettement, qu'est-ce qu'on peut faire? S'ils ont trop de revenus, ben c'est sûr qu'on ne parlera pas Trop de revenus? pas de Trop de planification revenus. en retraite, puis pas de. Ce n'est pas des choses qu'on fait, mais on OK. regarde leur budget dans l'ordre général. S'ils ont trop de sous, on les envoie vers un planificateur qui peut se OK. placer leur sous. OK. C'est bien dit, hein? Ben oui, c'est bien dit. Ensuite, on fait des formulaires, on complète Mais toutes sortes de ma question, formulaires. c'est qu'il ne faut pas attendre qu'on soit à côté, là, hein? Bien, les gens viennent souvent nous voir Vraiment à côté, bien dur, là, quand ils sont ou plus qu'à plus côté, à qu'ils côté? dorment plus, l'estomac en Ah, feu, OK. d'autres symptômes. Faut pas attendre, là, hein? Idéalement, ce serait bien de venir plus tôt. Ou même, quand on planifie un achat important, une maison, une auto, une motoneige, peu Ben, peu importe. importe l'achat. Quand on planifie un achat, ce serait peut-être intéressant de venir nous voir pour qu'on regarde si les capacités financières sont vraiment longues. Maintenant qu'ils ne regardent pas ça, hein. Non. C'est rendu après, il faut. Oups! Oups, si on est allé un peu trop loin, ou Là. si. Ou ça arrive flush, ils sont corrects de le payer parce qu'ils travaillent, mais s'il arrive Puis, une perte d'emploi, ouais, quelque chose c'est du genre. ça. Là. Ou des comptes d'hydro élevés, c'est ce qui risque d'arriver Ben, le peut-être au printemps. chauffage plus haut. Ben, on sait que le chauffage, c'est 54 % de l'électricité qu'on consomme, c'est le chauffage. Effectivement, puis on parle de créancier, mais on parle aussi, on peut être médiateur aussi, on peut servir de OK. médiation. Entre autres, ben là, c'est parce qu'on parle de chauffage avec Hydro-Québec, donc on peut être Médiateur. intermédiateur. Avec Hydro-Québec, pour les gens démunis, on peut OK. prendre des ententes extrêmement intéressantes. On OK. parle d'une entente sur 2 ans où on efface la dette OK. et on peut payer sous le seuil de la consommation. On peut dire, quelqu'un qui a une dette de 2 000 $ d'Hydro-Québec, qui a une consommation mensuelle de 100 $, on fait le budget, on regarde un petit peu, puis on s'aperçoit que cette personne-là ne peut pas donner plus que 50 $ par mois. Fait qu'elle va donner 50 $ par mois. 50 $ par mois. Si elle, mais Et après un an, il efface la moitié de la dette. Puis si la OK. deuxième année, il efface l'autre moitié de dette, puis il la réintègre tranquillement pour la ramener à 100 $, payer sa consommation courante. Ben, c'est bon à savoir. Oui, hein? mais faut pas en abuser non plus. Non, il ne faut pas en abuser. Puis c'est vraiment des programmes qui s'adressent aux gens à C'est faible vraiment revenu. spécifique, là. Mais il y a Ouais. d'autres programmes avec Hydro-Québec, s'il y aurait des gens qui pourraient s'endetter, qu'on peut les aider, OK. les accompagner là-dedans. OK. Quand on parle de médiation, si on peut parler avec Vidéotron, avec Oui, BL, Vidéotron, avec Bell. l'ensemble des fournisseurs, même un propriétaire qu'on a de la misère à discuter avec lui, que le temps monte, donc on peut faire un OK. intermédiaire. Tantôt, je parlais de formulaires, l'ensemble des formulaires, pension de vieillesse, Bon, des fois, souvent. c'est compliqué, hein, ça. C'est les demandes de pension de vieillesse, puis non, qui réclament même pas le. Le supplément de revenu Ouais, garanti, c'est c'est ça. là que tu t'en es, Ouais, c'est hein? là que m'en venait, là. Le supplément de revenu garanti, bien, plusieurs personnes ne savent pas que s'il y a un changement en cours d'année, on pourrait dire que j'avais des sous de placés, puis au mois de décembre, ça se termine. Bien, je peux en aviser le gouvernement, puis il va pouvoir justifier peut-être une hausse du supplément de revenu Mais garanti si, sur mettons que l'année. ça fait longtemps qu'on ne doit pas demander, là. C'est rétroactif sur une certaine période que je Ouais. ne suis pas capable de te répondre. Je ne veux pas Moi, informer j'ai entendu dire 5 ans. correctement. Non, je ne crois pas si longtemps que ça. Non? Non, 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 c'est plus sur une plus courte période que Ah ça. oui.
Mais oui, on peut demander un rétroactif. C'est-à-dire que le reste qu'on n'a pas demandé, on le paye. C'est trop long. C'est... Dans certains cas, on pourrait parler, entre autres, les gens qui n'ont pas fait la déclaration de revenus. Ah, on parle de la déclaration d'impôt. Au niveau de la TPS, on peut retourner chercher les années antérieures, mais au niveau du crédit de solidarité, on recule de 12 mois. 12 mois, OK. Ça veut dire qu'à quelqu'un, ça ferait 5 ans qu'il n'aurait pas fait ses rapports d'impôt. Il pourrait réclamer les 12 derniers mois de crédit de solidarité. Juste une année. Oui. OK. Intéressant pareil. Oui. Mais on se punit parfois parce que le crédit de solidarité, ça peut devenir des montants quand même intéressants. Oui, assez faramineux. Oui. Bien, si on peut parler peut-être de. Pour une famille, peut-être de plus ou moins 100 $ par mois. Donc, c'est quand même c'est intéressant. Gros. C'est un 100 $ par mois. Moi, je te dirais que peu importe le montant, c'est toujours intéressant de l'avoir. C'est mieux dans nos poches que dans cette autre moment. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses, Denis, de ça? Ben moi, c'est sûr que c'est intéressant. Il faut faire des rapports d'impôts. Mm-hmm. Puis, moi, ce que je trouve de valeur, c'est que les personnes âgées sont mal informées. Ou ils ont peur, ou c'est trop compliqué, je ne sais pas. Ils ont peur d'appeler. Tomber sur une boîte vocale, c'est extrêmement difficile pour eux de faire le 1, faire le 2. On accompagne beaucoup de gens, beaucoup d'aînés chez nous. Ils viennent nous voir pour faire le téléphone avec eux. Ils donnent l'autorisation de parler. On leur fournit les renseignements. Puis même régulièrement, bien, quand on a le rapport d'impôt, on sait qu'ils vont demander la ligne 199, on met notre doigt. C'est ça le chiffre que vous devez dire. Donc, on les accompagne comme ça parce qu'on ne peut pas parler. S'ils entendent notre voix, ils disent qu'on pousse, qu'on force l'aîné, donc on monte les documents. Okay, c'est pour puis ça. Après ça, l'aîné nous mandate pour parler ensemble. Autrement dit, vous dites juste avec des sons. Moi, des sons, mais on monte, ou on écrit en groupe. Parce que si vous entendez, ils pensent que vous poussez la personne. Oui. Ah oui, ça peut être. Oui. Bon. Il y en a parfois qui sont extrêmement gentils. On parle des gens, des gens qui sont au gouvernement, mais il y en a d'autres que c'est vraiment, là, faut y aller. Faut user d'astuces. Oui, c'est en plein ça. Donc, on travaille beaucoup avec les aînés, les accompagner dans les démarches. OK. Puis les autres services que vous me disiez tantôt, c'était? On a service de petits prêts de confiance sans intérêt. Ça, c'est intérêt. Des petits prêts? Petits prêts sans intérêt, des prêts de confiance, je dirais. Qu'est-ce que c'est, des prêts de confiance? Des prêts. Si on remonte à v'là plusieurs années, quand j'ai commencé à travailler, quand on a débuté le service de prêt, c'est moi qui l'ai débuté, je faisais sortir… C'est vous qui avez instauré ça, non? Bien, l'ensemble des autres services budgétaires de la région avaient un service de prêt. Okay. Chez nous, il n'était pas en fonction, okay. En tout cas, puis il y avait juste une employée, c'était plus difficile. Donc, on a réintégré, grâce à un général don des caisses, le service de prêt. OK. Donc, le service de prêt, là, je débute… Puis au début, je faisais sortir des dossiers de crédit, mais à un moment donné, je me suis aperçu que les gens qui venaient dans mon organisme, qui voulaient un petit prêt sans intérêt, c'est parce que le réseau familial n'existait plus. Il n'y avait plus accès au crédit. Il n'y avait plus de porte de sortie. C'était en plein ça. Puis même, je vérifiais le dossier de crédit, mais le dossier de crédit était fini. Il était entaché. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on a. Ça fait pas peur un peu? Non, parce que tu dis prêt de confiance. Oui, confiance, bien, c'est ça. Mais en consultation budgétaire, là. Si la personne est en avant de moi, puis elle ment ou quelque chose du genre, je le vois immédiatement parce qu'on sait, c'est sûr qu'une personne ne peut pas manger avec 40 $ d'épicerie par semaine. Non. On peut, une fois, de temps en temps, faire une épicerie de 40 $, mais on va chercher du pain et du lait, puis c'est parce qu'on a des choses de congelé ou des choses… C'est pas long, ça va vite, 40 $. Donc, c'est ça. Puis si on peut, des fois, imaginer les dettes, là. Quand on voit quelqu'un, admettons, qui est rendu avec une compagnie X de télécommunications, puis… C'est surtout des cellulaires, ça fait comme ça. Des cellulaires, mais il y a une compagnie, entre autres, là, qui… Puis le nom m'échappe, là, c'est mais… C'est pas grave, là, c'est… Mais à fournir le service, quand tu vois que le téléphone te coûte 80 $ par mois, ben tu sais, c'est parce que tu as été brûlé ailleurs. Okay, si la personne n'a dit pas « Oh my God, belle, je me suis monté un bill de temps. Mm-hmm. » Donc, on est quand même capable de voir les… OK. Puis là, les petits prêts, c'est combien un petit prêt de confiance? Maximum 500 $ pour l'achat d'un bien essentiel. Pour l'achat d'un bien essentiel. OK, c'est ce que je veux savoir. Poêle, frigidaire, laveuse, sécheuse et autres. Autres. Autre. Ça peut être un lit ou des fois pour un enfant? Oui. Et autres, on s'ouvre à certaines petites choses, telles un déplacement pour un enfant malade. Ouais, ça. Un enfant qu'on doit sortir de sa couchette qu'on pourrait prêter pour un petit lit. Oui, c'est des choses comme ça. Là. Pour un aîné, on pourrait parler d'un problème avec les yeux ou quelque chose genre. Okay. Donc, l'automatrice a fait comme ça. Oui. Donc, c'est des choses qu'on peut faire. Mais et autres, c'est sûr que le lien de confiance, il faut qu'il soit établi. Puis, mais c'est vous qui déterminez ça? C'est pas seulement nous. On a un petit comité de prêt qu'on rejoint, qu'on téléphone. Okay.
On discute, on présente la personne. Je ne vous dirai pas. Oh, okay. Monsieur l'animateur de la télévision communautaire est venu chez moi demander un plat. Je vais dire Monsieur X a passé chez moi, puis on va faire un petit peu l'historique. J'ai jasé avec lui. Le budget me semble correct. J'ai réussi à établir. Ils vont selon vos impressions aussi. Oui, c'est oui. La personne, il faut qu'elle se vende devant moi. Okay. Des fois, il y a des trop bons vendeurs. Oui, des fois, on les connaît aussi, c'est des bons vendeurs. Ouais. Ouais. On est capable de détecter. On a-tu d'autres services que vous faisiez? Eh, non. Mais, comment c'est le papier? Non, mais, personne en alphabet, monsieur, il y a toujours des gens. Non, mais m'avait dit, lui qui était payant, c'était quoi? Ah, lui qui est payant. Ouais. C'est les déclarations d'impôts. C'est son impôt. Ouais. Pourquoi on charge quelque chose en déclaration d'impôts? Ben, c'est un minimum, je pense. Un minimum, moi, c'est ça. C'est 13 $ pour une personne. C'est du papier. C'est du papier. Puis, du papier de langue. Juste à titre informatif, l'année passée, on a passé 10 caisses de papier. Hey, ça fait beaucoup de papier. Là. 10 caisses de papier, mais c'est les boîtes. Là, les boîtes. Là. Donc, 10 caisses de papier, puis de l'angle qu'on avait pour. Pour pas mal d'argent. Pour pas mal d'argent. Mais ça couvre, tu vos frais ou moins? Oui, oui, ça couvre amplement. Ben, ça couvre nos frais. Le but, c'est de couvrir. Oui, c'est ça. Donc, si je reviens, 13 $ pour une personne seule qui gagne 26 000 et moins. Ça, c'est le maximum. Oui, puis 30 000 pour un couple. Okay. On additionne les revenus des deux conjoints, puis on ajoute 2 000 $ par enfant. Okay. Là, j'ouvre à ceux qui sont toujours venus à nos bureaux, qui gagnent un petit peu plus cher ou des cas particuliers qu'on aurait pu accompagner en consultation. Okay. Oui, on va faire des déclarations, mais c'est sûr que quelqu'un qui a des revenus supérieurs va… Mettons à 40 000. Oui. Mais ça, c'est quelques cas. C'est pas la majorité de nos cas. Là. Puis, il y a aussi des cas humanitaires, c'est sûr qu'on va donner parce qu'on sait que les gens n'ont pas les sous pour payer. On pourrait parler peut-être d'une famille qui arrive avec 6 enfants, puis la maman vient de se séparer, etc. C'est des cas humanitaires qu'on va donner, les déclarations d'impôts. On est là pour aider les gens, on n'est pas là pour leur nuire. Donc, alors, ça fait un peu le tour de de vos services. Oui. OK. Oui. Je vais te lâcher un petit peu, je vais parler à Danny un peu. Danny, toi, tu es ici pour quelle raison? En fait, je suis ici un petit peu pour, étant donné que je suis président du conseil d'administration. Toi, c'est tout nouveau pour moi? Ben, c'est plus le mois de septembre dernier. Ben, moi, je trouve que c'est nouveau parce que je ne savais même pas que tu étais rendu. Ben, en fait, à l'Assemblée générale. Oui, l'Assemblée générale. Je dis septembre, mais c'était plus en juin. Okay. Et je te dirais que les opérations vraiment de l'organisme, de la nouvelle administration, a commencé au mois de septembre. OK. Et on a un nouveau conseil d'administration qui est quand même très, très dynamique. On travaille fort. Y a-t-il beaucoup de monde nouveau dans votre… Ben, je dirais quoi, on est… ils sont deux, sept. Trois nouveaux. Trois sur sept? Oui, c'est quand même assez nouveau. C'est presque la moitié de nouveau. Oui. Ouais. Et on travaille fort pour essayer de redonner une plus grande visibilité. Redonner le souffle. Oui, un second souffle. Puis des nouvelles idées, ça fait quand même, ça fait pas de tort. Et donner étant donné que je viens du domaine des communications, pourquoi je viens ici, effectivement, c'est… T'es habitué à ça, Je suis habitué à ça, puis moi, je trouve ça important de faire connaître les services budgétaires. On a quand même, Sarah a parlé des services. On a quand même touché 3 800 personnes. 3 489 au cours de la dernière année, oui. Fait que c'est quand même beaucoup de monde. Je trouvais qu'on n'était pas assez connus. C'est pour ça que… Mais on n'est jamais assez connus. Non, c'est pour ça que je viens ici pour publiciser un petit peu les services de ça peut donner un coup de main. Oui. Aussi, on a un nouveau site Internet. Oui. C'est très important de mentionner. C'est un nouveau site revampé au complet? Nouveau. Avant ça, on était en collaboration avec celui de Saint-Félicien. OK. On avait fait un site quand même là, plusieurs années. Là, il était dû. Il était dû, c'est ça. Donc, Saint-Félicien avait fait leur côté, puis c'était moins d'affinité. Les choses ont évolué de tout bord, de tout côté. Puis on se frottait à quelque chose qui était plus en notre couleur, vraiment juste en notre couleur. Okay. Nouveau logo, nouveau nom, nouveau site Internet. Nouveau site Internet. Nouvelle page Facebook également. Ah oui, ça, c'est Facebook, ça va ensemble. Ça peut peut-être donner l'adresse aussi, ça va peut-être. www.servicebudgetairemc. Tout d'un bout. .ca. Okay. Oui, tout d'un bout. www.servicebudgetairemc. Pas d'accent, mc.ca. Ouais, et là-dessus, on voit l'équipe, on voit également, il y a des sur la page Facebook également, il y aura des concours, des différents de découpeurs de journaux, des chroniques également, des petites chroniques également, comment faire son budget. Non, je pense qu'on veut essayer de, d'avoir une interaction avec notre clientèle et la population, parce que, tu sais,
le service budgétaire, les temps sont quand même de plus en plus difficiles. C'est toujours de plus en plus dur. Hein? Et les gens ont de moins en moins d'argent. Donc, qui dit moins d'argent dit peut-être plus de problèmes financiers, des problèmes psychologiques également. D'ailleurs, je pense qu'on a une bonne hausse de la clientèle déjà de cette année, en 2014-2015. Je viens de finir le rapport avec les fonds d'entraide des jardins et des jardins. Ce qu'on remarque d'année en année, une hausse de consultation. C'est quoi le pourcentage? Là, je parle d'année financière. Je parle d'année du 1er janvier au 31 décembre parce qu'avec Desjardins, on fonctionne moins. Par rapport à l'année dernière, là, on a 30 interventions budgétaires. Là, je ne parle pas des gens qui sont venus pour des formulaires pour des déclarations d'impôts. Je parle seulement des interventions budgétaires. 30 en une année, c'est beaucoup. Est-ce que c'est sur l'année 10 ans? Est-ce qu'il y a de plus que l'année passée, je parle. Puis, on a formé une autre personne en consultation budgétaire parce que… Vous êtes rendu combien, consultation? Bien, moi, j'en fais un petit peu moins. Francine en fait toujours autant, puis Mélanie en fait, donc on est trois présentement avec la consultation budgétaire. Puis, vous avez de la misère à booker ou vous êtes juste… C'est assez particulier parce qu'il y a toujours les autres choses qui se greffent autour de ça, les autres projets. Donc, surtout rendu un rapport d'impôt, ça va être assez l'enfer. Ça va être… quand même chaotique. Généralement, ici, on attend à porte. Il arrive souvent qu'on attend à porte pour rentrer au service. Si les gens voient, là, mettons que nos intervenants à la journée... J'ai vu qu'il y avait un petit banc, d'ailleurs. Oui, c'est ça, exactement. Nos intervenants à la journée, disons, qui ont la tête remplie de chiffres. J'ai remarqué aussi que vos locaux avaient été agrandis parce que moi, la dernière fois que j'y étais, c'était tout petit. Là, c'est plus grand. Oui, bien, on a fait l'ajout d'un bureau. L'été dernier. Ça a sûrement fait du bien. Oui, ça respire mieux. Donc, d'un côté, on trouve les trois consultantes, puis il y a la réception. On a un petit bureau, puis plus loin, il y a le bureau. Puis plus loin, il y a un autre bureau, parce que cette année, on est fiduciaire de deux projets. J'ai bien dit fiduciaire. On est responsable de gérer deux projets. C'est quoi les projets, on peut-tu? Donc, oui, aucun problème. Donc, on est fiduciaire de la table de sécurité alimentaire. Okay. Donc, c'est quoi ça? La table de sécurité alimentaire, entre autres, il y a un projet de cuisine collective. Ah, c'est ça, j'avais vu un peu, mais là, j'ai du mal à l'envoyer là-dessus. C'est ça. Donc, c'est un projet qu'on fait, on a une animatrice qui se promène, elle fait des cuisines dans l'ensemble de la MRC, Maria Chapdelaine. Et l'autre projet, c'est un projet qu'on est fiduciaire de la CDC, la Corporation de développement communautaire. Donc, c'est faire un portrait des bénévoles. Autant les organismes ont besoin de quoi, puis qui est prêt à faire du bénévole, quel âge ont-il, puis... Pourquoi ils veulent faire du bénévolat? Puis s'ils n'en font pas, pourquoi ils n'en font pas? On veut démystifier ça. Du bénévolat? Oui. OK. Puis moi, je vais revenir à la cuisine. Oui, les cuisines collectives. Mais ça, moi, j'ai connu ça avec une de mes copines. Oui. La Canadiaque, elle en faisait une fois par semaine. Je ne sais pas comment ça fonctionne ici. Là. Ici, c'est une fois. Bien, la méthode de fonctionnement, il y a 6 groupes ciblés. OK. Il y en a un à Dolbeau-Mistassini. Il y en a un à Dolbeau, un à Mistassini. Ils sont déjà formés, les groupes? Oui, ils sont déjà formés, mais il y a toujours de la place où on peut réintégrer des gens. Ça va bien pour ça. Oui. Ouais. Puis c'est aux 2 semaines. Cuisine aux 2 semaines. Il y a 2 ans, ça, je me disais, il manque de quoi, tu sais, pour vous montrer. Je me fais que vous montrez un peu comment cuisiner. Il y a la table de sécurité alimentaire. C'est pas moi qui suis fiduciaire d'un projet. Il y a un autre organisme, l'épicerie communautaire. Lui, il a un projet de cuisine ponctuel. Il est dans les écoles. La personne se promène dans les écoles et elle va montrer à faire la cuisine. OK, ça, c'est à mesurer une tasse. Donc, c'est quelque chose, oui. OK. C'est un peu la même affaire avec eux autres? Ou... Bien, c'est en collaboration avec nous. C'est important. La table de sécurité alimentaire, on est plusieurs acteurs dans le milieu. OK. Il y a les Saint-Vincent-de-Paul qui sont assis avec nous autres. Il y a l'éducation des adultes. Donc, il y a plusieurs partenaires. On s'assied et on discute des besoins. OK. Mais pour les personnes qui aimeraient ça aller... Il appelle chez nous. OK. Bon, on peut appeler chez vous. Il appelle chez nous. Puis si ça ne se dirige pas en cuisine collective, il y a toujours moyen, on va les diriger vers les cuisines ponctuelles ou les ressources nécessaires. Ben, moi, je trouve ça génial, moi, les cuisines collectives. Oui, ça ressort un petit peu à voir. Parce que pour les madames, pour les mamans, là, monoparentales... Bonne raison aussi, de façon économique, mais aussi de socialiser aussi. Là, je parle à deux doigts, non? Mais savez-vous qu'à Mistassini, le groupe, c'est 6 hommes? Ouais. Ah, ben, il n'y a pas de madame là. Ah, ben, c'est bon. T'sais, c'est une bonne façon également pour les gens de briser leur isolement. C'est fait pour. Les gens pensent cuisine collective, pensent peut-être
Économiser à faible coût, cuisiner. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi, mais il y a aussi l'aspect de se faire des amis, de socialiser. Puis, il y en a qui n'ont pas de sortie. Hein. Moi, je trouve que ça fait une sortie. Puis dans le cadre des cuisines, la méthode qu'on a, ben, il y a toujours un petit atelier. Donc, il se glisse un atelier, comment faire l'épicerie, puis il se glisse un atelier crédit endettement. Donc, on va vous donner des petits ateliers. C'est un peu pour ça qu'on est devenu fiduciaire du projet. C'est parce qu'on les accompagne là-dedans aussi, versus nos services. OK. C'est important de dire, je ne dirai jamais assez, on est fiduciaire du projet. Okay. C'est vraiment un groupe de personnes, d'organismes qui siègent à cette table-là. Le temps file, là, mais là, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas assisté à la conférence de presse? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire? Non, ben c'est de rappeler que nos services, on ne dira jamais assez que nos services sont entièrement gratuits. Oui, c'est ça. Qu'actuellement, il y a de plus en plus de gens également qui ont des difficultés financières. De ne pas attendre que les problèmes soient jusqu'au cou, comme qu'on dirait. Et il y a des intervenants qui sont là, qui sont prêts à vous écouter, qui sont prêts à vous respecter. Donc, si ça vous intéresse, 418-276-1211. 418-276-1211. Que dire de plus? Ben, il y a toujours nos liens Internet. On peut toujours nous rejoindre par là. Via Facebook aussi, il y a toujours moyen de nous envoyer un message en privé qu'on va vous répondre. On est là, on a hâte de voir les gens, puis on aime ça jaser avec eux. Des fois, je viens jaser, ça fait. Ça fait partie de notre travail aussi. Je ne sais pas, mais pour un renseignement, des fois, on n'est pas sûr. On ne sait même pas où aller. D'ordre général, il y a toujours quelqu'un qui est capable de répondre. On n'est pas toujours en consultation. Si sur les trois personnes, il y a toujours quelqu'un qui est capable de répondre. J'imagine, si vous ne le savez pas, vous allez le référer à une personne. Aux personnes ressources nécessaires, oui. Mais d'ordre général, on est capable de répondre aux personnes quand ils se présentent, puis de les réorienter si besoin. Ma prochaine question, c'est avez-vous d'autres projets à venir? On a toujours d'autres projets à venir. C'est sûr qu'on ne peut pas en parler actuellement. Okay. Mais oui, effectivement. Mm-hmm. Ce qu'on veut faire aussi, c'est qu'on veut sortir davantage dans les médias. Ça, c'est bon. Ce soit des communiqués de presse, que ce soit... Parce que, tu sais, les gens sont démunis. Quand on dit service budgétaire, il y a souvent, comme Hydro-Québec, il y a souvent des cas avec Hydro-Québec, des hausses d'électricité. L'essence, actuellement, les gens ont quand même un arrêt. C'est ça. Fait que nous, on voudrait sortir la question de se faire connaître davantage. Là, j'entends parler d'Annie. D'Annie, les hausses. Oui, les hausses, c'est hausse. Ben oui, ceux qui ont des enfants, ils vont avoir une belle hausse. Ils vont avoir des allocations supplémentaires. Ouais. La PUJ va augmenter, la PUJ pour les 0-5 ans. Ah oui? Je ne savais pas. Elle va passer de 100 à 60 à 160 $ donc elle augmente de 60 Puis pour les enfants de 6 à 17 ans, ils vont avoir 60 $ par enfant également. Ah, OK. C'est merveilleux, hein? Ben oui, c'est bon. C'est bon, hein? Moi, je trouve pas tant que ça. Non, tu trouves ça bon? Non, parce que le gouvernement donne un beau cadeau. Puis en plus, ça va être à partir du 1er juillet. C'est un cadeau empoisonné ou quoi? Du 1er juillet. Ah, oui. Là, c'est expliquer un petit peu, c'est quoi? Oui, c'est ça. Ben, l'argent va arriver le 1er juillet, rétroactif du 1er janvier 2015 au 1er juillet. Rétroactif, OK. Oui. Ça va faire un mouton d'argent. Oui. Ben, mais c'est pas ça qui m'inquiète. C'est quoi? Parce que la PUJ, le 100 $ par enfant, est imposable. Okay. Ça veut dire qu'on doit payer de l'impôt dessus. Donc, s'il monte à 160, puis qu'il en donne pour les autres enfants aussi, ça va en dropper encore. Là. Ça risque d'augmenter le revenu. Ah. Augmenter de revenu, tu payes plus d'impôts. Donc, il va y avoir plusieurs familles... Qui vont payer plus d'impôts, qui vont avoir une surprise à l'impôt 2015, qui vont faire produire le rapport d'impôt 2015. Donc, ça fait partie des choses qu'on a parlé sur notre site internet. Si il n'y a pas d'imposant, vous arrêtez intéressant. Ça aurait été extrêmement imposant, intéressant. Imposant, intéressant, mais ça veut dire que plusieurs familles vont avoir des surprises. Ça va-tu les mettre plus dans le trou? Ils vont devoir payer de l'impôt, puis ils n'auront pas gardé suffisamment d'impôt sur leur paye à chaque mois. Okay, c'est pour ça. Admettons qu'une personne travaille 6 mois ou 9 mois par année, puis qu'elle fait un peu d'assurance-emploi. Déjà là, il y a des bonnes chances. Il y a un manque. Donc, oui, le gouvernement s'est trouvé comme une manière un peu de retourner. Il donne un cadeau, mais il va revenir le chercher. C'est un cadeau empoisonné. Disons que c'est peut-être versus les élections qui s'en viennent, ce que je peux voir. Ouais. Là, on donne un bonbon, on vous donne 60 $ mais on ne vous dit pas que c'est imposable. Ouais, c'est ça. On vous donne un bonbon, mais il n'est pas développé rien. Il n'est pas développé, vous développez là. Si les gens auraient la chance de s'arrêter sur l'autre côté puis attendre la déclaration d'impôt, ce serait merveilleux. Mais quand on est juste que l'épicerie coûte plus cher, que tout coûte plus cher, ben, on utilise cet argent-là, puis...
Malheureusement, ben, il y en a peut-être qui vont avoir des mauvaises surprises. Je te remercie beaucoup, Sarah. Ça m'a fait plaisir. Merci, Dani. Oui. As-tu un mot à dire? Comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, 276-1211, notre site Internet également et notre page Facebook. Donc, on est là pour ça. Puis on s'adresse à tout le monde. Tout le monde. Ouais. Comme vous avez compris, on s'adresse au service budgétaire. Maria Chapdelaine, c'est bien dit. On vous laisse là-dessus. Bonne semaine. Au revoir. Cet hiver, avant de prendre la route, composez le 511 ou consultez le québec511.gouv.qc.ca pour planifier vos déplacements. Prenez le volant en toute sécurité. Pour les nouveaux luminaires homologués Energy Star. Ils consomment jusqu'à 75% moins d'énergie. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Cet hiver, réduisez votre vitesse. Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède et soyez vigilant en tout temps sur la route. Prenez le volant en toute sécurité. Fruits et légumes Saint-Georges? Oui, madame. Des fruits et des légumes. Thibodeau, porte tes fenêtres? C'est ça! Des portes puis des fenêtres. Plantes et fleurs, brodeur. Oui, des plantes puis des fleurs. Épargne Placement Québec? Oui, c'est pour épargner, avec des placements garantis par le gouvernement du Québec. Le nom le dit, Épargne Placement Québec. Investissez maintenant, vos économies sont garanties à 100%. Chaque année, vous êtes nombreux à vous rendre en forêt ou à proximité pour récolter les petits fruits sauvages qui recouvrent le territoire québécois. Malheureusement, cette activité cause plusieurs incendies de forêt. Afin d'éviter que cette activité tourne mal, voici quelques règles à respecter. D'abord, si vous souhaitez fumer, faites une pause. Choisissez un endroit sur le sol minéral et assurez-vous que votre cigarette est bien éteinte. En VTT, assurez-vous de demeurer sur les pistes et nettoyez régulièrement votre tuyau d'échappement. Cet été, dans vos activités, soyez prudents et faites votre part pour la protection des forêts.